Début de l'enregistrement. 7 contre T au temple, grande finale. Après une longue run en loser. Donc voilà, le match-up est simple, dans le sens où logiquement je dois beaucoup attendre, surtout quand il a chargé ses ressources, et attendre l'erreur, et c'est ce que je fais là. Il fait l'erreur, je le punis. Voilà, encore. J'aurais pu réparer le truc. Là j'ai cru que l'eau allait me toucher, c'est très embêté dans ce genre de situation. Tac, tac, là j'étais persuadé que l'eau allait traverser, la fin de l'eau là allait me pousser, donc j'ai voulu shield pour ne pas me la prendre. Finalement en vrai j'aurais pu up pour upper encore. C'est dommage, ça c'est du... C'est difficile d'être 100% sûr de ce genre de petits détails. Ok, là je joue bien la patience. Très bien, hop, malheureusement le backer qui était très mal timé de ma part. Tac. Tac, ok, il saute, il arrive très loin. Il va très certainement faire ce genre d'option là. Et attends, j'ai un doute là. Est-ce qu'il n'est pas allé plus haut parce qu'il a fait un upper? Parce que regardez où il est. Et regardez où... Non, le double jump de Pac-Man ne fait pas tout ça quand même. Quoi? C'est quoi ce saut de fou? Normal que j'avais prévu qu'il allait faire ça, genre. Du coup, j'ai mis un backer là. Et en fait, il a fait ça. What the fuck? Bah, du coup, c'est le upper. Je savais pas que ça faisait monter réellement. Je pensais que ça faisait croire, ça faisait semblant que ça te fait monter, mais en fait, non. Ça, c'est n'importe quoi. Je sais pas pourquoi je fais ça. Ah, si. Je sais pas pourquoi il me semblait que j'avais touché la... Que j'avais touché le truc déjà et la moto l'aurait dégagé. Du coup, ça m'aurait protégé, mais pas du tout. Donc ça, c'était très mauvais de ma part. Ok. Là, la petite tentative. On fait le bait. Puisque je sais qu'il aimait bien... En fait, si en anti-ledge trap, il fait comme moi. Donc je sais comment fait jouer contre ça. C'est-à-dire qu'il s'accroche. Déjà, il mix-up ses timings d'accrochage. Il s'accroche et il agit en fonction de l'adversaire. Et il va très souvent jump en fonction de l'adversaire. Et ça, c'est très fort. Donc là, voilà. Hop, je fais ça, je lui fais semblant que je vais faire un peu un jump, donc forcément, il voit ça et il jump nair. C'était un bait, donc je l'ai eu. Malheureusement, Wario a pas énormément de reward à faire ce genre de bait. Sauf quand il a le pay, bien sûr, mais ça reste très dur vu que c'est un pay que t'as une fois toutes les deux minutes, t'as pas envie de le faire là. Oh là là, je garde pas le shield. Ok, j'ai l'objet. Il fait un truc bizarre, j'avais pas envie de me le prendre, donc j'ai un dodge. Ça, c'est une des règles que je me fais contre Pac-Man. Pac-Man saura forcément plus de choses que vous, c'est son perso. Donc dès qu'il fait un truc bizarre, tac, j'ai un dodge. J'ai un dodge directionnel, comme ça j'ai le temps de réagir au pire. Et voilà. Voilà, il y a juste la patience. Ça, je déteste ça. Ça. Hop, hop. T'es persuadé de pouvoir réagir, mais en fait, non. Tu sais qu'il va le faire, son down B. Mais t'as envie de punir le fer. Hop, réaction. Mais non. Oh. La patience. Ouais. Là, j'étais mort. Hein. Ouais, là, il y a beaucoup de gens qui pensaient que c'est le melon qui m'a tué, mais en fait, j'étais mort. Hein. Genre, dans ma tête, je me suis dit, il est à 96, je vais juste aller jusqu'au bout. Alors, attendez. Je regarde quelque chose, là. Mais je suis trop bête en fait. Dans ma tête, je m'en souviens très bien. Je pensais que la moto était sur le terrain. Et que dans tous les cas, j'allais pas survivre. Donc je suis allé à fond pour faire un fer. Et mon B là, je serais mort de toute façon. Parce que regardez où je le fais. Je le fais carrément dans la blast zone là. Limite. Donc j'allais pas la voir. Mais en fait, j'avais la moto. Donc j'aurais pu juste faire moto B.
Je suis bête. Parce que avec la moto, j'aurais pu temporiser et ne pas me prendre le melon. Ah, ça c'est... Donc, pareil, là je vous explique. Donc ce genre de personnage, surtout Pac-Man, il y a plein de persos qui ont des combos starters de fou ici. Donc vous savez qu'ils vont les faire de base. Et donc, là je voulais bait ça. Donc je voulais roll out pour me dire, vas-y je vais loin, comme ça il peut pas me toucher avec son Galaxian et je le punis. Mais regardez la vieille roll de Wario, je suis là, j'atterris là, et en plus le truc est allé loin, donc je me prends 20% et je déteste ça. Quand t'as tout prévu et que quand même ça marche pas, pour quelques petits détails on va dire, c'est trop chiant. Donc là, faut que j'ajuste mon placement par rapport à cette situation-là. Là, faut que j'attende son erreur et je fonce beaucoup trop vers lui en vrai là. Au lieu de juste faire semblant de temps en temps que je fonce, ou beaucoup shield, ou juste attendre, bah moi je fonce. Et... C'est pas fou. Oh, dommage. Alors là, j'ai aucun moyen de savoir de quel côté il va aller là. Oh. Trop dur de savoir. J'essaie d'attendre justement qu'il vienne. Ok, je mets la pression. Putain. Incroyable cette phase. Non, vraiment. Incroyable. Je balance la moitié de l'autre côté et j'arrive pas à la récupérer. Oh là là. Aïe, aïe, aïe. Ok, ça, heureusement, j'ai fait la petite attente. C'était un petit peu bizarre, ça. Oh, le fou. Je pensais qu'il était trop loin pour pouvoir me faire ça. Oh là 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 là, comment il casse les couilles quand il fait ça. Regardez, il se positionne trop bien. Tac, il saute, il fait genre c'est un client, finalement non, il fait le down B et il retourne à sa position initiale. Ah. Mais j'ai des problèmes. Pourquoi je tape à côté? Comment je fais ça? Aïe aïe aïe. Oh là là là. Voilà, enfin un petit positionnement. Ouais. Donc là, du coup, il est allé quand même très très deep, moi aussi. Et vu qu'il a fait son deuxième EB, enfin il a fait son EB à cet endroit-là, c'était sûr qu'il était obligé de faire son deuxième. Après, il a des petits mix-up que je savais pas d'ailleurs, il va le faire dans les games d'après. Mais j'avais très grande chance de le tuer et en plus, bah, c'était safe avec un downer de cette manière-là. Oh là là. Même ces nerfs là, avec une bonne trajectoire, sont difficiles à punir. Ouais, et là malheureusement je l'ai très très mal fait. J'aurais dû limite dû attendre, puis le lâcher direct et peut-être ça l'aurait touché, mais c'était mal fait de ma part, mal exécuté plutôt. Là, je m'en souviens, je me suis encore trompé de direction. Je sais plus ce que je voulais faire, mais c'était pas ça. Je m'en souviens pas, en fait, du coup. Ok, là, il est obligé d'air dodge. Oh là 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 là. J'attendais que ça, je l'ai pas puni. Ça c'est vraiment ce qu'il faut pas faire dans ce genre de situation avec Wario, en tout cas faut pas les jouer ces situations bourbier, parce que c'est pas en ma faveur, en plus j'ai tapé en désavantage. Oh là là là. Là je me précipite de fou, je me précipite trop, j'ai aucune raison. Voilà, je le récupère. Là j'étais persuadé que je pouvais la lancer, mais qu'est-ce que c'est que cette animation, attends.
C'est trop lent. C'est trop lent. C'est bizarre. Les gars, il se retourne. Ouah. Il la lance. Ok. F-tilt tentative, j'en ai jamais eu. Hop, là j'essaie d'attendre. Ah non, même pas, hein, je fonce quand même beaucoup. Hein. Ok, ça c'est bien. Petite tentative safe. Aïe! Là j'essaie de me casser parce qu'il y a le. La gelée. J'attends que ça, j'attends que ça. Mais la punition n'est pas très très grande. Ah ouais, là il avait très très bien géré ça. Je pensais pas que ça allait le détruire. La moto qui me protège. Ah, normalement c'est la fin là. Oh là 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 là. Il rend fou avec ces trucs de fou là. Oh. Regarde-moi ça! Qui fait ça? Et après il revient! Ouais. Oh le fou. Ah. Bon. Heureusement, je l'ai quand même ému. Ok. Là, j'ai gagné la game, mais elle est pas du tout satisfaisante. Hein. J'ai beaucoup, beaucoup trop été impatient, de manière générale. En plus, même quand t'es patient, par exemple, là, je suis en mode patience, ok, je l'attends. Et il fait des trucs bizarres, il fait des trucs qu'il a jamais fait, genre ça, into, faire in, tu vois. Du coup, il comprend très très bien mon intention, il arrive très bien à s'ajuster à ça. Du coup, il fallait que je sois... En soi, le fait d'être patient, c'est pas mauvais du tout. Mais bon, fallait peut-être que je shield ou que je me repositionne mieux. La façon dont je le suis, elle est pas bonne. Alors. Putain, c'est n'importe quoi. C'est pas Siphon Hit. En plus, je l'ai retreat exprès. Oh là là, le sub. Ah, attends. Ça veut dire que je me suis pris cette dinguerie là. Sur un coup, sur un combo, de ma part. Pas Siphon Hit. Oh là, D. Oh la D. Ah. Encore une fois, hein, deuxième fois quand même. J'étais persuadé que c'était trou. C'était pas du tout. Et je me fais reverse là-dessus. Donc là sur test stock, je crois que j'ai gagné deux fois le neutral, il a gagné deux fois et regardez le résultat. Ah. Oula. Ouais, ça me protège. Ça c'est très très mauvais. Je trouve que j'ai vraiment très mal géré ça. Alors que concrètement, il le faisait vraiment pareil que tous les autres Pac-Man. Et je sais pas pourquoi j'ai très mal géré les galaxies comme ça à l'aide. Genre, dans ma tête, à chaque fois, je me dis, il va le faire. Et je l'ai juste mal géré. Il le faisait. C'était même pas des mix-up ou quoi. Hein. Les crophases de combo, elles marchent pas bien contre Pac-Man, c'est normal. Le nerf connecte jamais. Et malgré le fait que ce soit une boule, je sais pas pourquoi. Je sais pas si c'est avec tous les persos, mais Wario a vraiment du mal à lui mettre des gros combos. C'est trop bizarre. Il a bien space, le fou. Oh là 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 là, j'ai trop le seum. Ok. Quoi ? La dinguerie. Oh la dinguerie. Mais non. Attends, hop. 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 Ça aurait pu être trop quand même. J'ai l'impression que c'est trop lent le lancer de truc de Wario. Hop, il tech. Moi, j'ai pas eu de possibilité de tech. Hop, il fait ça. Au moins, je me barre de l'autre côté. Je meurs pas. Et normalement, je vais le tuer, là. Hop. Putain.
Oh là là. Oh. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Bon, enfin. Un peu désespéré. Encore? Oh, attends, mais... Je me positionne exprès pour éviter son Galaxien et je me le prends. Oh, il faut vraiment que... Là, il fallait vraiment que je me calme dans cette... Hein. Oh, le fou. Oh, le fou. Il est dans ma tête. En plus, il tech. En plus, ça, je sais même pas c'était quoi ça. Regarde-moi ça. Il temporise avec le down air. Mais what the fuck? Oh, le fou. Oh, le fou. Il est trop chaud, t'y. Ok, donc là, voilà. Enfin, j'ai réussi à forcer une de ses erreurs. Je le punis. Là, j'étais bien positionné cette fois. Ça, c'est chiant. En gros, je peux pas lui bouffer le truc à une certaine distance ou à un certain timing. Je sais plus. Je sais plus si l'objet est invincible au tout début lancé ou si... ou je sais pas. En tout cas, je sais que quand je suis trop près, je peux pas bouffer directement quand il le sort de sa poche. Par contre, quand il le lance, là, je peux. Et c'est trop chiant. Je me prends 27% pour ça. Ça, pareil, ça, c'est des interactions que je peux pas jouer en tant que Wario. Ça, là, quand on est tous les deux au corps à corps, comme ça, là, ça. Je ne peux pas les jouer. Ça. Hop. Voilà. Si on est là et qu'on appuie tous les deux sur des boutons, là, c'est ce qui se passe. C'est forcément moi qui va perdre. Et ça, c'est très très dur de constamment avec Wario se dire non, faut pas que je la joue, hop, faut se décaler, pas jouer, pas jouer, pas jouer. La jouer que quand il faut, etc. C'est épuisant. Donc ça faisait à peu près 11 heures que je jouais. Bah, c'est plus... ça rend les choses encore plus compliquées. Mais bon, faut que je me force. Voilà, ça trade tout le temps, c'est chiant. Tac, tac, il a eu le temps de nerf. Oh là là là. Ok. Down air. Ce qui est chiant avec son down air, c'est que même s'il le fait, il peut le faire de plein de façons différentes. Et c'est pas facile à punir du tout. Quand il le fait bien. Et là, il y a quelque chose qu'aussi, il est... Je sais pas s'il le fait dans tous les match-ups, mais ça, là, rien que le fait de garder le shield très très peu longtemps dans ce match-up, c'est trop fort. Parce que la plupart du temps, moi, je vais essayer de taper dans le shield. Enfin, plutôt de grab dans le shield, mais vu que les hitbox de Backman, elles battent toutes celles de Wario, bah, s'il tape tout le temps, c'est difficile pour moi de le toucher. Ok, donc là, il a fait un peu le fou. Heureusement qu'il fait des phases de fou comme ça. Ça, c'est... Il fait le fou, il meurt. Voilà. Heureusement. Genre, moi, quand je joue pas bien, je me fais fumer. Mais heureusement, j'arrive à bien capitaliser sur quand lui joue pas bien, je le fume aussi. Ok. C'était vraiment... L'objectif était clair. Hein. C'était de ne pas se prendre la gelée. C'est bien passé. Hop, hop, voilà. Hop. Non, 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 non. Tu peux parier le down hit du down air on shield, c'est pas trop dur. Non, non. Non. C'est pas comme ça la vraie vie. En gros, ça c'est seulement s'il le fait bêtement en mode...
full up, enfin short top down air devant toi et sur toi. Ça, c'est très simple. Lui, tu peux le parier. Mais il ne le fera jamais comme ça. Il va le faire parfois le troisième hit seulement, parfois le quatrième, etc. Et c'est trop dur. C'est trop trop dur et j'aurai moins de reward à faire. Et en plus, il le fait in, après out, après devant, après il se casse, après parfois il vient, il se part, parfois il le fait en haut de la tête et tout. Putain. Ça, c'est chiant. J'étais persuadé que là, ça allait le faire aller sur ici, là, et que j'aurais eu la dash attack true, mais en fait, non, sinon j'aurais F-Smash. Voilà, là j'attends une erreur, il l'a fait, mais je punis pas. Ça, c'est chiant. Ça, c'est un des trucs qui est vraiment chiant contre Pac-Man. Quand il fait des, entre guillemets, erreurs, genre des dash attack, des fer dans ton shield et tout, c'est pas facile du tout de le punir. Parce qu'il peut faire fer dans ton shield into jump down B, fer and air, fer air dodge. C'est chiant qu'il a très peu de true punish en fait. Malgré le fait que ce soit un perso à projectile. Du coup, il y a beaucoup de moments, t'as gagné, mais t'as perdu. Tu sais pas si c'était vraiment true. Les true punish sont pas faciles à trouver en fait contre lui. Ça, c'est très embêtant. Sachant que lui, en plus, il fait tout très bien. Ça rend les choses encore plus difficiles. Voilà, c'est je fais le forceur de fou. Ah là, enfin. Enfin, des petits baits qui commencent à apparaître de ma part. Tac, tac. Tac, le bait. Et ça trade quand même, hein. Ça trade quand même. Oh, ça par contre, non. Mon timing, mon timing. Je suis censé faire le F-tilt beaucoup plus tôt. Beaucoup plus tôt. Oh, aïe. En plus, je tech pas, mais non. Ce reverse. Ah. En vrai, il en fait beaucoup des down air et il se fait beaucoup punir pour, hein. Il se fait beaucoup. En fait, il en fait tellement que en fonction de comment tu vois le truc, tu peux te dire, ah ouais, tu les punis jamais. Ou tu les punis beaucoup. Parce que là, concrètement. Et là aussi, il va down air, ou je sais plus, c'était quand. C'était là, voilà. Là, il en a fait. Tout à l'heure, il en a fait. J'en ai puni pas. Je sais pas en temps de. En termes de nombre de down air punis, je sais pas combien il y en a en vrai. Mais il en fait beaucoup, c'est vrai. Mais il les fait très bien. Voilà. Oh, l'eau qui casse les couilles. Qu'est-ce que je peux faire contre ça? Parce que je peux pas attendre que l'eau passe. Je devrais juste F trop. Hein. Elle met plus de pourcents. Quand je suis sûr que l'eau, je peux rien faire et que je pourrais pas up trop upper, je devrais soit back trop, soit up trop. Enfin, back trop, c'est seulement si ça touche ça et encore. Oh là 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 là. Qu'est-ce que. Ça c'était n'importe quoi. Qu'est-ce que je fais? J'ai tout raté. Oh, en plus, j'ai redodge ici pour me faire fumer. Vraiment, c'est n'importe quoi ça. Là, je me casse, je reset le neutral. Ok. Voilà. Encore un down air. Fait beaucoup beaucoup de jump et vu qu'il est fait au bon à des timings différents, c'est très difficile de les punir. Oh, dommage, si j'avais fait EPR. Alors, quand j'avais fait la game, j'étais persuadé que c'était pas true, mais là, quand je regarde, j'ai l'impression que ça l'était. Parce que j'étais en retard en fait. J'aurais dû sauter comme ça. Et waft comme ça, et là ça aurait été trou. Voyons voir. Ah, il y a moyen que c'était trou en fait. Je sais pas. Bon. Ok.
patience. Oh, tellement lent sur ma punition. Et je me prends 40% pour ça. Oh là 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 là. 74%. En fait, il bouge partout, il tape tout le temps, il se positionne bien, il fait tout bien. C'est difficile de trouver sa marque contre ça. Surtout quand t'as pas l'habitude. Dommage, pas de punition. Très très mauvais macar de ma part. Là, ça aurait dû être un short top. De toute façon, j'ai plein de problèmes. Full up short top, je sais pas pourquoi. J'arrive pas à short top constamment. Aïe aïe aïe, la chance. Ouais. Là, y a beaucoup trop de situations où je devrais juste pas les jouer et j'essaye quand même de les jouer ça par exemple. Parce qu'il est pas bête. Ça couvre déjà ici. Donc lui, ce qu'il fait, bah il couvre là. Donc en gros, bah ça couvre partout. Donc faut juste pas jouer cette situation. T'attends ici, tu regardes ce qu'il fait ou tu te casses juste. Et j'ai trop voulu jouer ces situations où je devais juste pas les jouer. Voilà. Voilà. C'est Downer qui fait très bizarrement. Alors en vrai, il y avait un trou punish. Hein. Il y avait clairement un trou punish. Je pense même que j'aurais pu. Ah ouais, j'ai lâché le shield plus fer. Pourquoi j'ai fait ça? C'était très nul. Wow. Ouh. Alors là-dessus, je sais pas comment c'est possible, mais je me suis bien positionné. Ok. Bon, tant mieux. Ça va, là, j'ai quand même réussi à faire ce. Oh non, 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 non. Ça devait le faire. Comment ça a pu le cogner? Ah, ça l'a pas cogné, ça a juste pas connecté. Moi B. Mais non. Parce que c'est prévu qu'il aille sur la moto après et ça le tue, genre. Voilà. Là, j'attends son erreur, j'arrive pas à la punir malheureusement. Je vois qu'il fait un peu le forceur avec ses backers. Tac, tac, je me positionne. Dash attack, mais non. Oh. Même là, je voulais la balancer. À la place, j'ai avancé, je sais pas pourquoi. Ouais. Ouais, voilà, il m'a eu. Alors. Là, j'aurais dû au moins faire semblant ou juste land sur la plateforme. Je sais pas du tout pourquoi j'ai fait ça. Y a aucune raison de faire ce que j'ai fait. C'est archi risqué. Fallait land sur la plateforme shield ou double jump et se barrer. Là, il a juste puni mon landing. Normal. Et moi, je me suis fait avoir. Oh là là. C'est trop de le taper dans des situations où c'est trop dur. Voilà, enfin! Enfin! Hop, je joue pas à cette situation, ça sert à rien. Elle est pas en ma faveur, je vais me faire fumer, j'attends une de ses erreurs, et bim, là je punis. Voilà. J'en ai fait vraiment trop peu de ce genre de phase de positionnement, attente, etc. Ok. Ouais. Ok. Il faut juste se casser, voilà. Enfin, bah voilà. C'est mieux là. Qu'est-ce qui s'est passé? Tac, tac. Ah. Ah, je suis parti, puis je suis revenu dedans, je suis trop bête. Ah ouais. Il m'a bait de fou.
Voilà, heureusement, j'ai été bien patient pour pas me faire clip. Ouais, la patience, hein. Là, au tout début, j'étais impatient et il m'avait ride sur ride. Après, je me dis, c'est mort. Pas de clip. J'attends, j'attends et je réagis en fonction de lui, ce qu'il cherche. C'était mieux à la fin, mais... Oh là là. C'est toujours moi qui vais vers lui, là. Hein. C'est moi qui joue à son jeu. C'est ça, le problème. Et pas l'inverse. Heureusement... Heureusement, là, j'ai fait un bait de fou. J'avais jamais fait ça de ma vie. Heureusement, j'ai eu ça. Hein. C'est vraiment ça, le match-up. Hein. Je suis censé attendre tellement que j'ai tout le temps le paix et... Et normalement, je suis censé bien le placer. Oh, le fou. Oh, le fou. Mais pourquoi j'ai fait la moto, là? En tout cas, lui, il a trop bien joué. Mais je comprends pas pourquoi j'ai fait la moto. Voilà, ok. Ça, c'est bon. Hop. Ouais, quand même, il... J'en ai puni pas mal de ces dernières hein, en désavantage, mais il y en a pas mal qui se sont pas fait punir aussi. Parfois, il fait vraiment le forceur. Hein. Genre là, il s'est pris pratiquement 52% parce qu'il fait le forceur. Ok. Ah, dommage. Voilà, parce que là, je commence à mieux jouer, hein, globalement. La patience. Comment il m'a mis? Mais quoi? Qu'est-ce que... Ah, oh, je suis trop bête. En fait, là, faudrait vraiment que j'arrête de taper autant la bouche d'incendie, vraiment. Je faisais que ça. Il m'a mis 70% pour ça. Mais non. Oh là 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 là. Vraiment que je bait plus, en mode au début je le fais et après je fais juste semblant et j'attends qu'ils viennent. Ah. Ok. Là j'ai pas envie de prendre de risques, très bien. Voilà. Pourquoi j'ai fait, attends. Ouais. Oh non. Mais non. Attends, là, ça, tu vas me dire à deux frames près, je gagnais? Mais non. Il m'a fait un truc de fou. Alors, on va faire frame par frame. Une frame. Allez hop. Ok. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, dix. Ah du coup. Parce que mon Baka, je crois, il sort frame 12. Et là, il serait mort. Moi, je crois que c'est un peu plus de deux frames, mais bon. C'est quoi cet œuf aussi là? D'où il sort ça? Mais non, mais non. Je vois la gelée et passe derrière. Frame 9 ton backer. Ouais, ça c'est difficile de compter les frames avec ce logiciel, donc je sais pas combien de frames près c'était. Je ne sais pas. Putain. Attends, c'est vraiment... Il balance le truc. Et après, il lève tilt. Ça me fait rentrer dedans. Oh non, mais non. Super. Et là, il va changer de rythme. Je m'en souviens très bien. Il est beaucoup plus... agressif et ça va marcher encore plus. Regardez, il a complètement changé. Moi, je faisais mes options défensives, mais mal placées. Et lui. Oh là là.
Oh là 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 là. Je le force à faire l'erreur, je la punis pas. Ça c'est trop chiant. Tu dois toujours être en mode. Non, il a encore une option. Regardez, il a fait saut, double saut. Ok, il fait saut, double saut, back air. Tu dis, bah c'est bon, il a plus rien, il est obligé de land. Tac, et non, down B. C'est trop chiant. Toujours se dire, non, il a encore un truc, il a encore un truc. Oh non. Oh, les combos que je mets. Y'a rien qui marche à l'aide. Aïe aïe aïe. Ouais, quand il place son setup là, c'est très difficile hein, parce qu'il va balancer son Galaga, balancer sa Lade Rand du coup, et très difficile de s'en sortir. Ouais, je voulais la récupérer, je l'ai pas récupérée du tout. Oh là 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 là, il fait les erreurs et je les punis pas. Je pense que je devrais être à moins aérien dans plein de situations. Parce qu'en l'air, c'est lui qui gagne. En gros, je devrais être aérien pour être défensif, mais pas offensif. Là, j'étais trop aérien, offensif. Oh là 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 là, je suis mort là. Allez, heureusement, il est pas venu me chercher, hein, parce qu'en vrai, j'étais mort. Hein. Ok. Oh là là là. C'est lui qui joue beaucoup beaucoup mieux autour de son Edrand que moi là. Alors que Wario a clairement les outils pour bien jouer autour de l'Edrand aussi. Ok. J'ai plus de moto, c'est tendu. Là, en gros, ce que je voulais, c'est que son back air me touche. Son back air ne suffit pas pour toucher la head round, surtout que là, il est un peu stale, pour détruire la head round. Donc, il fait son back air. Puis, moi, je fais le B, donc je le touche. Et au final, c'était d'abord le back air qui n'a pas détruit... qui... Non, c'était d'abord mon B qui ne détruit pas le truc, puis le back air qui l'a détruit. Alors, en vrai, j'aurais pas dû prendre un risque... Bête dans cette situation-là, j'aurais juste dû m'accrocher normal, mais... Ah. Oh là là, je me prends des trucs gratuits. Et là encore, regardez, là il tape, et j'arrive pas à contrer ça, hein. Regardez, c'est un truc de fou. C'est un truc de fou. Faire, nerf, repère, faire, nerf, faire, repère. Et moi, j'arrive pas à gérer ça. Oh là 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 là. Oh là, j'ai même pas puni ça. Aïe aïe aïe. En plus, il a changé son angle, ce fou malade. Regardez, tac, tac, je le vois. Je vois ça, forcément. Je sais qu'ils vont faire comme ça en plus. Donc, moi, je fais une DI down exprès. Et regardez ce qu'il va faire. Je l'ai vu au ralenti, ça. Ce petit hop à la fin. Et là 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 là. Oh, il m'a massacré. Il m'a massacré. Il m'a massacré. Il m'a massacré. C'est pas possible de landing upper sur les drones niveau dégâts. Ouf. Malheureusement, j'y arrive pas. J'essaye, hein, mais c'est trop dur. Je sais pas pourquoi.
Pourtant, elle est plutôt grosse, genre, enfin, pas grosse, mais elle est moyenne. Je sais pas pourquoi ça la touche pas. Ça me pousse ou je sais pas, mais. Tu penses toujours que ce match-up pour Wario? Oui, quand même, un petit peu. Il est vite fait pour Wario. Tu sais que c'est une dinguerie, mais en fait, je pense qu'il react. Je suis pas sûr qu'il. Parce que t'as vu, il l'a fait à la toute fin. Je sais pas s'il react. Parce que. Ouais, non, je sais pas. Moi, j'avais l'impression qu'il avait react. Parce qu'en vrai, t'as un peu de temps, hein. Mais je sais pas. Bah, ok. Bah, du coup, c'était pas une ride. Voilà. En tout cas, c'était cool. C'était cool. C'était cool comme ça. Très très cool. J'ai appris plein de trucs. Et vraiment, faut que je keep my composure. Parce qu'en soi, y a rien de. Comment dire? J'ai pas découvert des nouveaux aspects du jeu. Juste, j'ai découvert quelqu'un qui fait très bien et qui sait changer de jeu aussi, et ça vraiment j'ai pas l'habitude du tout. Ici il n'y a pas de ça. Lui pour jouer avec un top 10 monte, il crie dans la rue qui veut jouer, et hop il y a un top 10 monte qui vient jouer avec lui. Moi si je crie dans la rue qui veut jouer j'ai dealer du coin qui vient me parler, donc c'est pas pareil, c'est pas exactement pareil, mais tranquille. J'irai au Japon dès que je peux, et aux US, etc. Et, je m'habituerai à ce genre de niveau aussi, et je les fumerai tous. Bon. Merci en tout cas, et à plus. Grab a drink, watch our players make a scrum, or show us your dazzling moves, grab the controller.